Do you have any sound on? Because I don't get any sound at the moment. I play music now. But how come I can't hear the music? Do you have any sound on? Because I don't. Any sound at the moment. Est-ce qu'Anna est arrivée?
You can stop. Patrick, you can start your live. Okay. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette session un petit peu particulière qui vise à faire un parallèle entre le yoga, l'équitation et la communication avec les animaux. Je vais commencer par présenter Anna Evans. Bonjour. Anna, je connais Anna depuis plusieurs années, elle est une scientifique à la base, elle est vétérinaire, elle a exercé en tant que vétérinaire pendant très longtemps et elle a découvert un jour qu'elle avait, elle avait ce talent ou cette possibilité de communiquer directement avec les animaux. Elle a ensuite mis 3 ans à se convaincre elle-même que sa méthode était effective. En tant que scientifique, elle a voulu démontrer elle-même que il ne s'agissait pas d'une impression, il s'agissait d'une véritable communication avec les animaux. Et ce qui est très intéressant dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle utilise la méditation pour cette technique. Elle en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Et j'aimerais dire aussi qu'on va la voir à l'œuvre en direct tout à l'heure sur mon cheval. Elle va nous faire donc une communication intuitive qui est sa technique sur mon cheval tout à l'heure en direct et vous pourrez assister au dialogue entre Anna et ce cheval. En ce qui me concerne, Patrick Benoît, je suis prof de l'art de vivre, prof de Shri Shri Yoga et également le propriétaire du cheval que vous allez voir tout à l'heure et moi-même cavalier de concours. Alors j'aimerais commencer par une histoire courte. Comment est-ce que j'ai fait le lien entre mes deux passions, le yoga et l'équitation? J'étais un jour en concours complet dans le paddock, c'est-à-dire là où on fait les sauts d'essai,
Et il y a eu un accident devant moi. Donc, le concurrent précédent a dû être emmené par une ambulance. Et en concours complet, on attend que la deuxième ambulance arrive pour reprendre l'épreuve. Donc, j'étais en attente beaucoup plus longtemps que d'habitude sur mon cheval. Et pour passer le temps et pour me calmer moi-même, j'ai commencé à faire des respirations Ujjayi, la respiration de la victoire pour les amateurs. Et voilà, d'habitude, moi, en début de concours, je suis très, j'ai tellement envie d'y aller, je suis tendu, etc. Et j'avais remarqué que ça ne convenait pas bien à mon cheval. Et très souvent, Perle, mon cheval de l'époque, faisait des stops sur le premier ou le deuxième obstacle du cross. Et ce jour-là, j'ai fait Ujjayi parce que les circonstances m'y amenaient. Et bizarrement, ou pas, c'est la première fois que j'ai terminé un cross avec Perle. Parce que le fait de faire Ujjayi, non seulement m'a calmé moi, mais a calmé le cheval. Et ça, c'était extraordinaire parce que Perle a senti que pour une fois, je n'étais pas en train de la brutaliser, de la précipiter, de lui demander de faire des choses avec insistance. J'étais simplement en train de faire corps avec elle. Et voilà, le premier jour, la première fois où on a terminé un cross ensemble. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Hein, quand on monte à cheval, on dit, on cherche à faire corps avec le cheval. Hein, imaginez que vous faites un 400 mètres haie et que vous avez un sac sur le dos. Si le sac est mal arrimé, ben, ça ballotte dans tous les sens et vous n'arrivez pas à sauter. Pour le cheval, c'est exactement ça. Donc, il faut faire corps avec son cheval. Et qu'est-ce qu'on dit en yoga? On dit yoga, ça veut dire l'union entre le corps et l'esprit. Alors là, la situation est un petit peu différente. Il y a deux corps, deux esprits, et il faut faire le lien entre les quatre. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, quand on essaie de faire ça, il n'y a plus du tout une relation maître-élève. Il n'y a plus un cavalier qui dompte un cheval, qui lui donne des ordres. Il n'y a plus que vraiment une union à quatre, enfin à quatre éléments. Une union à deux avec quatre éléments, deux corps, deux esprits. Et on dit en yoga aussi Stiram Sukham Asana. On dit qu'un asana, une posture, c'est quelque chose qui est stable et confortable. À cheval, c'est pareil. Monter à cheval, c'est une posture du corps et on cherche à être stable et confortable sur le cheval. Et au-delà de ça, le yoga dit yoga chitta vritti nirodha. Le yoga efface les vagues du mental. Et le cheval, il se trouve que c'est une éponge à émotions. Tout ce que vous ressentez comme émotion à cheval, le cheval le perçoit et réagit en conséquence. Donc, si vous arrivez avec le yoga à aller au-delà des vagues du mental, à stabiliser votre mental, à vous centrer, eh bien, le cheval le perçoit et vous pouvez donc beaucoup plus faire corps avec lui. Donc, en fait, devenir un cavalier conscient, c'est exactement ça. C'est se connecter à ses sensations, assouplir son corps. Moi, je fais plein d'exercices de yoga à cheval. Pendant l'échauffement du cheval, pendant que vous le marchez, pendant que je le marche, je fais mes assouplissements yoga. Ensuite, il faut entrer dans son espace intérieur. Il faut se centrer. Ensuite, il faut sentir le mouvement global pour faire un avec le cheval. Et ensuite, il faut accueillir ses peurs. Si le cavalier a peur, le cheval le perçoit. Donc, accueillir ses peurs, comme on fait en yoga. Accueillir ses pensées, accueillir ses sensations, ses émotions. Accepter ses sensations. Voilà, à cheval, je fais ce travail-là et j'entre alors beaucoup plus en communion avec mon cheval. Alors, je vais brièvement faire le lien avec ce qui va suivre. On a déjà fait avec Anna une première communication intuitive avec ce cheval qui s'appelle Bassador, qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et Bassador pose un problème.
Bassador est une énigme merveilleuse. C'est un champion en graines. Il est merveilleusement puissant. Il saute sans entraînement à 1m50. Hein, pour référence, les compétitions internationales sont à 1m60. Donc, il a un talent énorme et il a un problème. C'est que quand il est au paddock, avant de passer dans l'épreuve, voilà, merci de le montrer, avant de passer dans l'épreuve, il se sent comme agressé par les autres chevaux et pour peu qu'un cheval l'approche, il devient complètement traumatisé parce qu'il y a également des traumatismes chez les animaux. Et donc, tout le problème est là. Tout le problème est là. Quand il est en piste, il est toujours sans faute. Mais avant d'aller en piste, il faut échauffer le cheval. Il faut voilà, entrer dans la routine de l'épreuve. Et sur le paddock, il est très difficilement contrôlable. Alors, il y a une petite vidéo qui montre un peu concrètement ce problème. Peut-être on peut envoyer cette vidéo. Voilà, là on est à l'entraînement, c'est pas un concours, c'est moi qui suis dessus et le cheval est très calme, il aborde son obstacle et vous allez voir qu'il va, ou je l'ai mal amené peut-être sur l'obstacle, ou il loupe son saut et il devient absolument fou furieux, très difficile à contrôler. Cette fois-ci, je suis resté dessus, mais périodiquement, il m'éjecte effectivement et même c'est ce qui se passe. En concours de haut niveau avec son coach. Alors, donc, voilà le problème qu'on est en train de traiter avec Anna. Elle a déjà eu une première conversation avec Bassador et je lui passe la parole pour la suite, la deuxième communication et peut-être un résumé de la première, Anna, si tu veux bien. Merci beaucoup, Patrick, et bonjour à tous. Je pense effectivement qu'il y a un grand lien entre la relation avec les animaux et la pratique de la méditation. C'est à travers cette pratique que j'ai pu développer cette relation différente avec les animaux, une relation beaucoup plus profonde. Et pour ne pas laisser trop de temps entre la visualisation de cette vidéo et puis le commentaire que je voudrais en faire, je vous parlerai de cet outil tout à l'heure. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure sur cette très courte vidéo, c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique d'une relation animale, relation que nous avons nous aussi, puisque nous avons une part animale en nous. Quand nous vivons quelque chose qui nous déstabilise, eh bien, nous perdons les pédales, comme on dit. Et chez un cheval, quand perdre les pédales, ça peut être très dangereux parce que le cheval est un animal puissant. Ça peut être dangereux pour le cavalier, ça peut être dangereux pour l'environnement et aussi, bien sûr, pour le cheval lui-même qui peut se blesser très facilement. Dans cette vidéo, on voit ce cheval qui se déstabilise alors qu'il est très capable, très intelligent, tout à fait concentré dans les premières images, dans les premières secondes. Et puis, soudainement, il perd le contrôle de lui-même. Et là, on entre dans une zone de danger très rapidement. Donc, il est nécessaire de comprendre pourquoi. Et c'est un des intérêts de l'outil que je pratique, qui est obtenu par la méditation. Ce qu'a fait Bassador ici, nous avons appris dans une première communication que c'est au-delà de sa capacité de contrôle de lui-même que soudainement, un événement extérieur très fin, que nous ne pouvons pas forcément discerner nous-mêmes, va déclencher un retour dans son cerveau vers une mémoire de traumatisme. Une mémoire tellement intense qu'il ne peut plus se contrôler. Il repart complètement dans l'expérience du traumatisme, dans le souvenir. Donc, lors de la première session, eh bien, nous avons, Bassador et moi, retraversé ce traumatisme avec donc
un accompagnement psychologique, un petit peu ce qu'on fait pour les personnes qui ont vécu des grands traumatismes. Je suis restée à côté de lui, entre guillemets, pour lui tenir la main, c'est-à-dire pour qu'il sache qu'il y avait, pendant cette retraversée, une zone de paix, de calme, de conscience bienveillante, qui sont, à mon avis, les caractéristiques de la méditation. Il a été très courageux, il a retraversé son traumatisme, dont je ne vais pas vous parler précisément maintenant, puisque ça n'est pas le thème, mais j'ai pu l'accompagner, il m'a fait confiance, et à l'issue de cette première session de thérapie, entre guillemets, de thérapie psychique, eh bien, Bassador est devenu un peu plus calme. Donc, Patrick m'a rapporté que son comportement s'était amélioré, mais pas encore à 100%. C'est pourquoi tout à l'heure, nous allons refaire avec vous en live, puisque j'ai confiance que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment sont des personnes qui connaissent des pratiques de calme intérieur. Et donc, nous allons refaire ensemble un accompagnement ambassadeur pour l'aider à recommencer la confrontation entre le calme et la panique, pour qu'à la fin, le calme puisse être suffisamment important pour qu'il ne perde pas les pédales, même s'il a peur. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil ? C'est un outil que j'ai développé à partir de mon expérience pour les animaux. Moi, mes deux passions sont les animaux et la méditation, le travail intérieur, le développement de la conscience humaine. Et donc, cet outil est un prolongement de notre capacité intuitive, de notre capacité d'être en connexion avec notre dimension profonde, avec notre dimension universelle, d'une façon consciente. Cette capacité que j'applique depuis que je l'ai identifiée, clarifiée en moi, eh bien, elle me sert à améliorer la compréhension des êtres humains vis-à-vis du monde animal. Mon engagement personnel est de favoriser le respect et la connaissance des animaux par rapport à de la part de notre espèce. C'est un travail que l'on fait sur soi-même pour comme je le disais tout à l'heure, clarifier notre capacité intuitive, notre capacité cognitive de conscience, de paix intérieure et en faire bénéficier les deux côtés, c'est-à-dire les animaux qui se sentent mieux compris, mieux écoutés et qui nous comprennent mieux aussi puisque nous nous exprimons d'une manière plus cohérente à leur égard. Nous développons des comportements, comme Patrice vient de l'expliquer, qui sont plus adaptés à leurs besoins, puisque un cheval avant un concours, eh bien, il est nerveux aussi, c'est normal, il y a un environnement différent, il y a du bruit, il y a des tas de signaux cognitifs, des odeurs, etc., qui ne sont pas habituels pour lui. Et si son cavalier lui amène du calme, si son cavalier lui amène de la confiance, eh bien, il va pouvoir entrer plus facilement dans cette zone de calme et de confiance et mettre en œuvre ses capacités sportives, ses capacités physiques. Donc, cet outil, je le mets au service des deux côtés et je vous propose de regarder ce que ça donne maintenant, si nous pouvons reprendre la photo de Bassador. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de mettre en ligne à l'écran la photo de Bassador ? Merci beaucoup. Donc, Bassador est un champion en herbe. Hein, c'est un jeune cheval extrêmement intelligent, extrêmement puissant, comme l'a dit Patrick, et tout à fait capable d'une très grande compréhension et d'une très grande collaboration avec l'être humain. Quand il perd pied de cette façon, ça n'est pas du tout qu'il ne veut pas collaborer, c'est qu'il n'a plus les moyens de se contrôler. Partant de cet a priori positif à son égard, eh bien, nous allons l'aider
Et donc, je vais commencer avec lui maintenant une communication intuitive. Je vais vous expliquer les étapes que je parcours au fur et à mesure. Et je vous invite, si vous êtes désireux de le faire, eh bien, à vous placer dans un état de bienveillance et de collaboration à son égard, puisque c'est un être qui, lui aussi, cherche sa lumière et sa paix, bien qu'il soit dans un corps de cheval. Voilà, donc je commence en redisant à Bassador combien je l'apprécie et combien j'estime son intelligence et ses capacités. Et puis, je vais lui... Alors, j'aurais besoin que la photo reste en ligne, si possible, je ne sais pas. Ou alors, je vais la prendre à l'extérieur, voilà. Et comme ça, vous pourrez choisir les personnes qui dirigent la partie technique. Qu'est-ce qui est le mieux ? Donc, si vous voulez changer... et ne plus garder la photo de Bassador, c'est possible pour moi puisque je l'ai par ailleurs. Je suis bien sûr à distance avec Bassador. Bassador se trouve en ce moment probablement dans un pré dans le sud de la France. Donc, la communication intuitive peut s'effectuer à distance à travers notre aptitude psychique à traverser l'espace et le temps qui est maintenant développé de plus en plus largement par la physique quantique et que j'imagine... les pratiquants du yoga connaissent. Voilà, donc j'apprécie Bassador, je lui redis et je lui explique que nous allons, s'il est d'accord, continuer son travail pour qu'il puisse garder le contrôle de lui-même dans les moments où des signaux stimulent le retour au traumatisme passé. Voilà, donc je viens de lui transmettre ce message en m'étant placée dans un état particulier de méditation. Et maintenant, je réceptionne la réponse que je reçois de lui à travers des signaux dans mon corps qui sont des sensations, des images qui défilent un petit peu comme dans le système du rêve éveillé. Et je vais... donc, vous traduire en mots les impressions que j'ai de lui. Alors, tout d'abord, Bassador se sent vraiment confus, désolé, malheureux d'être dans ces moments où il n'est plus lui-même. Et je sens aussi cette grande aspiration, cette aspiration de cette grande âme, hein, puisque c'est vraiment une grande âme, à pouvoir être pleinement lui-même en toutes circonstances. Parce que, actuellement, il est lui-même, mais il est conscient en permanence. Donc, actuellement, Bassador sait qui il est. Il est lui-même, mais il est conscient en permanence qu'il y a quelque part en lui un trou noir, une zone de danger dans laquelle il peut tomber à tout instant, sans pouvoir prévoir quand est-ce qu'il va tomber là. Et c'est quelque chose de terrible à vivre, parce qu'il sait qu'il est double, si on veut, qu'il a cette zone, ce trou noir à l'intérieur de lui, de son psychisme. Et qu'à ce moment-là, quand il est dans le trou noir, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus qui il est. Donc, je vais, puisqu'il me montre cette image, je vais l'inviter à s'approcher avec moi du trou noir. Nous allons regarder dedans ensemble, mais nous allons nous en approcher en sachant que nous nous soutenons dans cette expérience difficile. Nous approcherons uniquement aussi près qu'il le veut bien. Donc, je lui donne confiance dans le fait que je suis à nouveau avec lui. Pour ceci, c'est un moment qui m'émeut aussi. C'est pourquoi je perds un peu ma voix. Je suis avec lui et nous allons regarder ce trou noir. Nous allons nous en approcher aussi près que possible. Et là, ce qu'il me partage, c'est qu'il a peur que quelque chose n'en sorte. Un peu comme un geyser. Alors, on va rester un peu plus loin, Bassador, et on va attendre, écouter, sentir, regarder.
ce qui se passe. Là, nous sommes ensemble sur un territoire de roche nue, un peu comme de la lave, c'est de la roche noire. Et nous attendons devant ce trou. Il y a quelque chose dedans, c'est clair, je le sens, lui aussi. Nous sommes dans le calme. Il s'assure que je suis bien là. Je lui dis bravo, tu es très courageux, Bassador. C'est pas facile de regarder ses peurs. Voilà, il a besoin de marcher un peu, donc je vais marcher avec lui pour libérer un peu les tensions. Nous sommes ici dans ce monde psychique qui correspond donc à une réalité intérieure. Il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une illusion. Ça va agir sur son psychisme de vivre cette expérience. Voilà, donc on regarde le soleil, maintenant la lumière, et puis on va à nouveau se placer à côté du trou noir. Il sent comme un espèce de... Il me montre qu'il sent un espèce de vent froid qui sort de là, comme même plutôt un vent glacial. Donc nous restons là tranquillement, il tressaille. Je suis de l'autre côté du vent, donc moi je ne le sens pas. Mais il me signale cette sensation. Alors, on va bouger à nouveau pour que ça ne soit pas trop désagréable. Voilà, il s'ébroue. Et là, il me signale qu'il en a assez. Et ça suffit pour l'instant. Il n'a pas envie d'aller plus loin dans l'épreuve émotionnelle. Donc, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans le trou noir, mais ça n'est pas grave. Il l'a confronté un petit peu à la mesure de ce qu'il pouvait faire aujourd'hui et il n'y a pas d'urgence. Si c'est nécessaire pour lui de recommencer avec moi plus tard à se confronter à ce trou noir qui est sa représentation de ce qui le terrorise, eh bien, nous le referons plus tard. Je remercie Bassador. Je le félicite encore une fois de son courage. Il me montre, il me fait le cadeau de me montrer la grande lumière qu'il habite. C'est un cheval qui a une intelligence et une vision extrêmement lumineuse. Cette lumière a grandi depuis tout à l'heure. Donc nous savons tous les deux qu'il existe encore une zone difficile qui n'en a pas. Voilà, et il remercie aussi, c'est intéressant parce qu'il a senti que je n'étais pas complètement seule avec lui aujourd'hui. Et donc, il a un mouvement de gratitude vis-à-vis de vous tous et toutes qui avez partagé ce moment avec lui à travers l'espace-temps. Voilà, je te libère, Bassador, en te disant à bientôt. Et je vais redonner la parole à Patrick pour peut-être une première réaction vis-à-vis de ce qui vient d'être vécu à l'instant avec son cheval, puisque bien sûr, le lien entre un cavalier et son cheval n'est pas seulement existant au moment où il y a l'équitation, il existe comme un lien entre deux amis. Et donc, je voudrais, s'il vous plaît, demander à Patrick de réagir à ce qui vient d'être partagé. OK. Bon, c'est bien sûr très émouvant. Moi, quand je suis en selle sur Bassador, tous mes capteurs sont branchés. Et je sens ce que je peux, mais je n'ai pas la capacité qu'a Anna de communiquer directement avec lui, de sentir vraiment ce qu'il sent et de lui communiquer ce que j'aimerais lui communiquer. Donc là on est branché en direct via Anna et je le reconnais, c'est tout à fait lui, quoi. Ce cheval est,
et intelligent, comme j'ai jamais vu un cheval intelligent. On lui met un balai dans la bouche, il balaye son box, il est joueur. On lui tourne le dos, il vient nous pousser, il vient nous mordiller l'oreille. Il a un très gros ego, il veut qu'on s'occupe de lui. C'est fascinant, quoi. C'est fascinant tout le temps. Maintenant, voilà, il y a le trou noir, comme il nous a dit. Il le sait, c'est difficilement prévisible. Avant, je pensais que quand il y avait un événement extérieur, ça le déclenchait, pas à tous les coups. Après la première communication intuitive, on l'a trouvé tous beaucoup plus calme au pensage, à la préparation et même à la monte. Et il a eu une petite rechute avec mon coach qu'il monte en compétition. Il a failli l'éjecter aussi parce qu'il avait peur d'un truc. Donc, c'est toujours là, ça progresse. Et j'aurais aimé aujourd'hui, bien sûr, aller un petit peu plus loin, lui demander de quoi il avait besoin, de quoi il a envie, est-ce qu'il veut qu'on lui foute la paix ou est-ce qu'il veut devenir un champion de jumping dont il a complètement les capacités. Alors, je ne sais pas, Anna, si on peut aller plus loin aujourd'hui ou pas, mais sinon, on le fera séparément. Alors oui, on peut aller plus loin par rapport à la question qu'est-ce qu'il veut ? En fait, il a énormément besoin de ce lien avec des êtres humains compassionnés, pleins de compassion, qui ont envie de le comprendre. Lui-même peut aller très loin dans la compréhension de l'être humain, comme on vient de l'entendre. Mais il a besoin aussi de se sentir soutenu, hein, comme peut-être un enfant qui perdrait confiance en cours de mathématiques aurait besoin d'être soutenu pour traverser sa difficulté, d'être encouragé, de se sentir compris. Hein. Être laissé seul ne va pas être productif pour lui. Et c'est très important, même si ça n'est pas lui qui fait la demande en ce moment, je me permets un commentaire personnel. C'est très important pour Bassador qu'on regarde sa lumière et non pas son trou noir. Ça va encourager la lumière à être de plus en plus présente et nous savons tous que la lumière gagne toujours sur l'ombre. Il suffit de éclairer le trou noir pour qu'il ne soit plus noir, mais il faudra l'éclairer au rythme et de la manière qu'il pourra supporter lui. Alors, Anna, si je peux t'interrompre une minute, j'essaie toujours de faire ça. Je ne lui reproche jamais rien. Quand il m'éjecte, ce qui arrive à peu près une fois par semaine, une fois qu'il m'a éjecté, bien entendu, il se défoule, donc il fait trois tours au grand galop de la carrière, etc. Et moi, je me lève, parce qu'en général, je n'ai pas une bosse. Je me lève, je me mets au centre de la carrière et je lui tends la main et je lui dis « Bassador, viens !» Et c'est très émouvant, mais le cheval entend ça. Il entend le ton dans lequel je lui dis ça et il vient. Il se calme et il vient. Donc, je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, mais je le pratique beaucoup avec lui. J'ai un immense respect pour le cheval. Et je sais qu'il faut allier à la fois une certaine fermeté, en tout cas un langage direct pour qu'il comprenne ce qu'on veut, et en même temps, beaucoup de respect parce qu'il a un ego énorme. Et effectivement, c'est un cheval, quand on le pousse trop au mauvais moment, il s'arrête, il part en marche arrière même. Donc, il faut vraiment sentir quand on se sert des ordres, des aides, quelle est l'aide. Il faut être très précis dans l'aide et à la fois ferme dans la demande et respectueux dans sa réponse. Oui, le conseil était pour tous les êtres humains qui vont l'approcher. Et je suis certaine que la pratique intérieure que tu as et cette attitude que tu choisis après la chute pour recréer le lien sont extrêmement importantes pour lui.
Quand un cheval devient fou, 99% du temps, ça n'est pas qu'il a envie de faire des bêtises, c'est qu'il n'arrive pas à faire autrement. Les chevaux sont des animaux aux émotions extrêmement puissantes et qu'ils ont parfois du mal à contrôler, un petit peu comme quand on est adolescent dans l'espèce humaine. Ce n'est pas évident de se contrôler, ça s'apprend avec la pratique et le temps. On a perdu ta voix, Patrick. Il faut remettre ton son, Patrick. Un des cinq principes clés qu'on enseigne à l'art de vivre, c'est ne vois pas d'intention négative derrière les erreurs des autres. Et c'est exactement ce que je fais avec Bassador. C'est ça. Voilà, donc on peut fermer la communication avec Bassador. Je voudrais simple et le laisser maintenant, ben voilà, passer sa journée dans son pré. Je voudrais simplement vous dire, les pratiquants du yoga, que la communication intuitive est une simple application de ce qu'on pratique dans la méditation à la relation avec l'animal. Ça n'est pas quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qu'on peut développer par intérêt, par amour, par compassion vis-à-vis d'autres formes de vie, vis-à-vis d'autres créatures, et que vous pouvez certainement tenter ceci auprès de vos propres animaux ou d'animaux que vous côtoyez dans votre vie courante, une guêpe qui vient sur votre déjeuner ou autre chose. Les animaux répondent à nos intentions. Donc, bien sûr que nous avons cette capacité tous d'interagir peut-être d'une façon précise et consciente, comme je le fais à partir de mes années de pratique dans ce domaine, mais aussi tout simplement par notre attitude intérieure, par notre état d'être, par notre paix, nous allons influencer non seulement notre physiologie personnelle ou notre environnement humain, mais aussi tous les animaux et au-delà, toute la création. Ça n'est pas du tout anodin. C'est quelque chose que nous avons le pouvoir de faire. Et à travers la communication intuitive, je constate au quotidien combien cette influence se manifeste dans la vie concrète. À travers le comportement des animaux, je le constate aussi à travers les feedbacks des propriétaires, comme Patrick vient de nous le dire tout à l'heure, son cheval s'est amélioré dans son comportement après une première session qui a été à peu près l'équivalent de celle-ci. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, nous pouvons influencer toute la vie d'un animal. Un cheval, sa vie 30 ans, quelques minutes de notre vie vont influencer l'entièreté du reste de sa vie. Peut-être, maintenant, Bassador, il doit avoir une dizaine d'années, peut-être. C'est ça? Il a 9 ans. Voilà, 9 ans. Donc, on peut imaginer que pendant 21 ans, ces deux fois 10 minutes vont transformer tout son futur. C'est-à-dire qu'il peut devenir un champion international que vous verrez un jour à la télévision, il en a largement les moyens, ou bien il peut devenir un cheval qu'on va mettre au rebut parce que on n'arrive pas à en faire quelque chose, ou bien il peut un jour se blesser à un moment où il perdra les moyens, il perdra ses moyens et terminer à l'abattoir. Voilà pourquoi ces deux fois 10 minutes sont extrêmement importantes. Et voilà pourquoi notre attitude de chaque instant est extrêmement importante, que nous en ayons conscience ou pas. Je vous encourage donc
à penser au monde animal quand vous pratiquez votre yoga. Et je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter à cette session pour inclure le monde animal dans la pratique de ce que nous faisons de notre potentiel humain. Alors, ne partez pas, cette émission n'est pas terminée. Il est temps maintenant peut-être d'inviter aux questions. Peut-être avez-vous des questions sur la technique, sur ce qui s'est passé pendant cette communication intuitive avec Bassador, ou toutes les questions qui peuvent vous venir. Voilà, vous pouvez vous servir du chat qui est en bas de l'écran, en français conversé. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de participants présents sur le Zoom. Il y en a peut-être d'autres sur YouTube, mais sur YouTube, je crois qu'ils n'ont pas accès au chat. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. Et on va y répondre en direct. Nous pouvons répondre aux questions qui auront été formulées en anglais. Oui, oui, oui. Et en fait, pendant que vous réfléchissez à vos questions, que vous les écrivez, etc., ce qu'on peut peut-être faire pour pas rester sur du blanc, on va, Anna et moi, en fait, faire une autre démarche qui consiste à réfléchir un petit peu avec vous sur qu'est-ce que ces pratiques nous apportent, qu'est-ce que le yoga, la méditation nous apporte personnellement, dans notre entourage, dans la société, etc. Alors, si tu veux bien, Anna, je vais commencer, puis tu pourras enchaîner. J'ai eu un gros accident de parapente il y a plus de 20 ans, et j'avais arrêté, j'étais pas yogi à l'époque, j'avais arrêté l'équitation, etc. Et j'ai repris l'équitation il y a à peu près 10 ans. J'ai 3 vertèbres soudées au niveau lombaire, et j'ai repris l'équitation en arrivant dans le sud, où j'ai pu avoir accès à un club proche de chez moi et donc monter tous les jours. Et ça a tout changé. En fait, l'équitation m'a permis de remuscler le dos. Et en fait, de pratiquer l'équitation régulièrement est un véritable traitement pour le dos. Quand on sait monter à cheval, on ne se tape pas les fesses dans la selle. Au contraire, on s'assouplit. Et ça me fait un bien fou. Donc, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu commencer le yoga. Alors, j'ai repris l'équitation il y a 10 ans et j'ai commencé le yoga il y a 8 ans seulement. Et puis, très vite, grâce à cet entretien équestre quotidien, mon dos s'est tellement bien remis que j'ai pu commencer à faire du yoga. Et le yoga a participé également à stabiliser le dos, à m'entraîner à me tenir le dos droit sans appui. Et il y a 5 ans, je suis devenu prof de yoga. Je suis devenu prof de l'art de vivre il y a 5 ans et je suis devenu prof de yoga à 70 ans, en début, juste avant le premier confinement, il y a juste un an. Voilà, donc c'est ce que m'a apporté le yoga, la méditation au niveau physique à 70 ans. Je peux à la fois faire des compétitions d'équitation et je peux enseigner le yoga. Et grâce à la respiration, j'arrive à contrôler un petit peu mieux mes émotions qui, comme vous le sentez, sont toujours à fleur de peau. Merci Patrick de ce partage. Je voudrais à mon tour dire un peu ce que le yoga m'apporte dans ma vie. Moi, j'ai commencé la méditation quand j'avais 16 ans. Ça fait pas mal d'années aussi. Et C'est mon amour pour les animaux, en fait, qui m'a fait continuer la pratique de cette forme de yoga. Je pratique le Raja Yoga, qui est un peu différent peut-être de celui-ci, mais ça n'a pas d'importance. Et donc, c'est cette,
C'est cet amour pour les animaux qui m'a motivée pour continuer ma pratique du yoga parce que je me suis rendu compte de combien elle était centrale dans cette relation que je souhaitais avoir avec les animaux, une relation intime, une relation consciente et une relation bilatérale aussi parce que souvent, nous avons une communication de l'être humain vers l'animal, mais nous avons du mal à comprendre l'animal, c'est-à-dire à avoir une communication, à recevoir de l'information de la part des animaux. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour cela. Et je me suis rendu compte, en fait, dans un troisième temps, que cette pratique du centrage, de la méditation, m'aidait beaucoup dans ma vie quotidienne, que ça soit dans mes relations avec les autres personnes, que ça soit aussi dans la réalisation de mes buts de vie. Je suis heureuse aujourd'hui, après 40 ans de pratique, de me rendre compte de combien cette pratique m'a permis d'avancer vers ma dimension spirituelle, vers mon aspiration de vie. Et vraiment, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans ma vie aujourd'hui. Je te laisse la parole, Patrick. Patrick, you are muted. And we have two questions. Yes, good. Good. Okay. On va garder 10 minutes pour les questions. J'aimerais juste enchaîner avec quelque chose. J'ai parlé au niveau personnel. Le yoga, dans l'équitation, je crois que ça apporte quelque chose au milieu de l'équitation. Il se trouve que je suis en train de préparer un stage yoga et équitation. Et j'y tiens beaucoup parce que le milieu équestre est parfois dur. Les gens qui montent à cheval et qui montent bien sont souvent des gens calmes quand ils sont à cheval, mais à l'entraînement, ils peuvent être très durs. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur qui est le maître, qui est l'élève dans le couple cavalier-cheval, bien sûr, dans le monde équestre et dans la compétition à haut niveau, mais pas seulement, il y a un rapport de force souvent entre le cavalier et son cheval. Il y a des pratiques qui sont dures et je crois que amener le yoga dans l'équitation de façon quotidienne, au niveau de l'entraînement, au niveau de l'état d'esprit, peut considérablement améliorer le rapport entre les chevaux et les cavaliers à un niveau amateur, mais aussi à un niveau professionnel. Donc voilà, c'est une voie dans laquelle je me dirige parce que je crois qu'il y a un réel besoin. Oui, merci Patrick. Je pense que plus largement, me concernant, mon état d'esprit par rapport à cette pratique et par rapport à la relation avec les animaux, c'est l'ouverture, le respect, le partage, donc valeurs qui sont importantes aussi dans la pratique de tout yoga. Et je me sens vraiment dans l'émerveillement par rapport à la majesté du vivant. C'est quelque chose d'extraordinaire, le monde dans lequel on vit. Donc, ma confiance en moi, dans ma capacité à contribuer de manière utile à cette majesté, elle est augmentée par la pratique du yoga. Et je souhaite que de plus en plus de personnes et d'individus puissent se retrouver dans une dimension subtile que le yoga facilite. Je voudrais aussi dire que vous pouvez continuer à écrire vos questions. Nous allons y répondre tout à l'heure dès qu'on aura terminé nos partages sur les 4 questions qui ont été proposées par le thème de cette journée. Personnellement, j'en ai fini, Anna. Il reste 12 minutes, il y a 4 questions. Moi, je proposerais qu'on passe aux questions pour que tu puisses y répondre en détail. Mais à toi de voir. Pas de problème, je te laisse commencer. Ok.
Alors, je vois des questions en anglais. Très bien, je vais les traduire au fur et à mesure. Comment pouvons-nous apprendre cette technique de communication intuitive avec les animaux? La personne qui parle est vétérinaire elle-même. Et donc, elle dit, je suis vétérinaire et je sens complètement que notre énergie influe et change le comportement des animaux. Donc, juste avec notre énergie, on peut changer les émotions et les comportements des animaux. Donc, cette personne est intéressée à comprendre comment elle peut apprendre cette technique. Anna. Alors, j'enseigne la communication intuitive depuis 40 ans à peu près. Enfin, non, pas 40 ans. Je la pratique depuis longtemps, mais je l'enseigne depuis presque 30 ans maintenant. Et donc, vous pouvez rejoindre le groupe des personnes à qui j'enseigne. Je donne parfois des cours en anglais. Vous pouvez aussi, bien sûr, apprendre auprès d'autres formateurs et formatrices qui sont dans votre langue. Il faut chercher dans les termes communication intuitive, communication animale. La structure à partir de laquelle j'enseigne, c'est ma fondation, puisque je dirige une fondation qui est dédiée à des activités pour promouvoir le respect du monde animal. Donc, fondationannaevans.org ou annaevans.org, vous allez nous trouver et vous aurez aussi sur YouTube beaucoup d'informations gratuites qui vous donneront des trucs pour apprendre, bien qu'on ne puisse pas proposer une formation gratuite sur YouTube parce qu'il faut que ça soit interactif, c'est de la communication. Ok. Alors, on a une deuxième question. Comment puis-je calmer un chien qui a trop d'énergie à travers la communication? Il s'appelle Oasi, il a à peu près 5 ans. Il a été trouvé dans la forêt et c'est le cheval d'un ami à moi. Donc, l'animal est un chien ou un cheval? J'ai pas compris. Un chien. D'accord. Ok, alors on peut faire beaucoup de choses avec la communication intuitive, bien sûr, mais on ne peut pas remplacer les besoins physiques. Si cet animal est un animal à grande énergie physique et qu'il a besoin d'exercice, il faut qu'il ait de l'exercice concrètement. Donc, il faut le laisser courir là où il peut, enfin là où vous pouvez le laisser courir. Ensuite, si vraiment c'est un comportement qui semble être lié à une difficulté psychique, eh bien, il faut voir quelle est la difficulté et l'accompagner en fonction de sa difficulté, c'est-à-dire d'une manière personnalisée. Je ne peux pas répondre a priori sans connaître sa situation personnelle, sa situation individuelle. Donc, là, il est possible de prendre rendez-vous, si vous le souhaitez, avec des personnes que j'ai formées, dont vous allez trouver la liste sur le site fondationannaevans.org. Un certain nombre sont plurilingues, donc vous pouvez avoir des communications en espagnol, en anglais, en allemand, avec des personnes professionnelles pour vous accompagner, et un certain nombre a aussi des compétences plurielles, par exemple comportementaliste et professionnel en communication intuitive, ou vétérinaire et professionnel en communication intuitive, etc. Donc vous pouvez faire appel à ces personnes pour accompagner cet animal dans ses besoins individuels. Très bien. Alors, je vois une dernière question. J'ai deux chats et au cours des 7 derniers mois, un autre chat a rejoint notre famille à fourrure. Et il y a un de mes chats qui n'accepte toujours pas le nouvel arrivant. Elle est toujours... she's always so mean. Oui, elle est toujours si méchante avec le nouvel arrivant. Je lui parle et je lui expose le problème, je joue avec elle comme d'habitude, mais
Mais elle se sent toujours mal et elle reste à l'extérieur. Elle est toujours en train de grandir. She is still growing. Ah, non, elle grogne toujours après le nouveau chat qui est un bébé. Et c'est triste de voir que chaque jour, elle se referme à l'intérieur d'elle-même, elle reste distante, etc. Alors, je médite avec elle, cette chatte, et elle adore ça. Mais si le bébé chat s'approche, si le bébé chat n'est pas autour, alors elle est très contente de méditer avec moi. Mais si le bébé chat est dans la même pièce, alors elle n'arrive pas à se décontracter, elle est tendue et elle devient agressive. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, plusieurs pistes. Une des pistes, c'est de comprendre pourquoi elle a ce comportement, donc de l'écouter. Hein. Souvent, les animaux se sentent aussi incompris, comme ça peut être le cas pour nous. L'écoute bienveillante est un outil très précieux qui n'est pas spécifique à la communication intuitive. Mais bien sûr, quand il s'agit d'écouter un animal, la communication intuitive est nécessaire. Donc, ça serait la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi elle vit si mal cette situation. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'elle vit, par exemple, ça peut être de la jalousie ou la sensation d'être rejetée, etc. Il existe des outils que l'on peut associer à la communication intuitive, comme par exemple l'usage des fleurs du docteur Bach, des élixirs floraux de ce médecin anglais maintenant décédé, mais qui sont très précieux pour les animaux. Et donc, on va lui proposer de suivre pendant quelque temps une prescription, bien que ce ne soit pas des médicaments, mais donc de prendre ces gouttes d'élixirs floraux pour adoucir ses émotions extrêmes. Et puis, troisième piste, en communication intuitive, il existe des pratiques spécifiques pour les animaux qui ne s'entendent pas. Donc, je ne vais pas les détailler, mais on peut les mettre en œuvre aussi quand vraiment c'est nécessaire. Donc, voilà, trois pistes. Pas de solution toute faite, malheureusement, parce que pour la communication intuitive, chaque être est unique et il n'est pas possible de donner des réponses généralistes. Voilà. Super. Merci beaucoup, Anna. On arrive presque au terme du temps qui nous était imparti. Il nous reste 3-4 minutes. Je vais en prendre une et je t'en laisse deux, Anna. J'aimerais élargir un tout petit peu en plus le débat encore au-delà du monde équestre. Il me semble en tant que yogi que une société qui respecte les animaux, une société qui entre dans cet état d'esprit-là, c'est un premier pas qu'elle fait pour aller dans la vision qui nous anime à l'art de vivre, qui est une société sans stress et sans violence. Je pense qu'une société qui respecte les animaux fait ce premier pas. Et ça peut être extrêmement éducatif de faire ce premier pas. Il y a quelques années, j'ai pris l'initiative de présenter Anna à Gurudev. Et ça a été un merveilleux entretien à trois, Gurudev, elle et moi, d'une demi-heure. Et on a beaucoup échangé sur les objectifs que poursuit Anna dans le monde animal. Et on a essayé de faire ce pont entre le monde animal et le monde humain. Et je crois qu'ils se sont très bien compris l'un l'autre. Et en conclusion, Gurudev m'a invité à enseigner les deux, à être à la fois prof de l'art de vivre et prof de la technique de Anna. Et je dois dire que bon, je poursuis encore mes contacts assidus avec Anna, mais pour l'instant, personnellement, j'ai un petit peu de mal avec la technique. Donc, je reste prof de l'art de vivre et pas encore prof de communication intuitive. Mais elle forme en permanence des profs qui le feront certainement beaucoup mieux que moi.
Et je pense que pour la société, c'est vraiment un travail extraordinaire qu'elle fait au sein de sa fondation. Merci d'être avec nous, Anna, aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Patrick. Et vraiment, oui, je pense que toute œuvre pour la paix intérieure, a beaucoup d'importance pour l'évolution de la Terre. Aujourd'hui, c'est très important de donner cette priorité à l'évolution de la Terre et du collectif. Ma vision à moi, c'est une vision où chaque espèce peut se comprendre et se respecter. Donc, évidemment que ça inclut les animaux, mais plus largement encore l'ensemble du vivant. Je crois que c'est à travers cet intérêt mutuel, cette compassion pour l'autre et cette capacité de compréhension de l'autre que on va réussir à maintenir la Terre en bon état et à la préserver pour le futur. Donc, je suis comme vous dans la conscience aiguë de l'importance de chaque pensée, de chaque minute et de chaque pratique. Je vous souhaite vraiment de très beaux moments à titre individuel et des belles gratifications de la part de l'extérieur par rapport à cette pratique. Merci. Namaste.